Hathor. Voici la déesse de l'Égypte ancienne, dont le nom signifie « demeure d'Horus, le soleil ». D'abord déesse du ciel ayant enfanté le dieu Horus, elle avait été identifiée par la suite aux vaches célestes. Elle apparaît, coiffée de deux cornes en forme de lyre, enserrant le disque solaire. Dans la mythologie égyptienne, elle représente la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie. Représentée sur bien des fresques murales, elle est cependant assez mal connue par le grand public. Hathor était une déesse populaire dans l'Égypte ancienne et son culte était répandu dans tout le pays. Elle avait de nombreux temples et sanctuaires qui lui étaient dédiés, y compris le célèbre temple de Dendera, où elle était considérée comme la patronne de la cité. Cependant, à l'époque d'Akhénaton, roi énothéiste et pharaon de la 18e dynastie, elle disparaîtra pour longtemps du panthéon égyptien. Son grand retour se fera pendant la période des Ptolémées, en reprenant une place primordiale grâce à la culture importée de Babylone. Cependant, l'œil d'Horus, fils d'Hathor, restera présent pendant toutes les périodes des différentes dynasties. Voici le temple de Dendera. Il est considéré comme l'un des temples les mieux préservés de l'Égypte antique. Ses colonnes sont richement décorées. Ses fresques colorées et ses chapelles dédiées à d'autres divinités sont dans un excellent état de conservation. Le temple de Dendera a été restauré et rénové plusieurs fois au fil des siècles, notamment pendant la période romaine, où il a continué à être utilisé comme lieu de culte. Les lumières de Dendera sont des représentations archéologiques découvertes dans le temple d'Hathor à Dendera. Sur des reliefs en pierre, sont sculptées des personnes apparemment tenant des lampes électriques ou des ampoules. Cependant, ces représentations picturales ont toujours fasciné Nikola Tesla.
Aussi, les archéologues et les historiens traditionnels pensent que ces reliefs représentent des objets symboliques ou religieux. Ce ne serait que la création du monde avec des fleurs de lotus ou encore le soleil. Ils soutiennent qu'il n'y a aucune preuve suggérant que les anciens Égyptiens avaient la technologie pour créer des lumières ou des ampoules électriques. Malgré le manque de preuves concluantes, la lumière de Dendera est devenue un sujet de discussion populaire parmi les amateurs d'histoire. Le temple est également célèbre pour son zodiaque. Une représentation astronomique de l'année a été découverte sur le plafond de l'une des salles de l'édifice religieux. Il est maintenant temps de dire un petit au revoir à la déesse Hathor. À très vite donc, pour un nouveau numéro de Mythes et légendes en question.